Ah, Spyman, t'es venu? Il est venu! Comment ça va? Bon, bah, les amis, bah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau stream. Ça fait longtemps que bah, j'ai pas joué, que j'ai pas streamé. Je vous expliquerai pourquoi, peut-être, on verra, mais pour l'instant, je vois pas forcément l'intérêt. Là, on se retrouve sur la bêta de Lost Ark. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 5136 personnes. Bon, là, maintenant, 5102 personnes. Ça va doucement. Je suis en file d'attente. Ça a ouvert à 17h les serveurs. La bêta, elle commence aujourd'hui. Elle se termine le 11 novembre. Enfin, c'est pour les Français, pour l'Europe, pour les Américains et tout. Parce que normalement, le jeu, il était qu'en Asie et la Russie. Je crois que c'était ça. Fallait faire un truc avec un VPN pour pouvoir y jouer. Et là, je suis bien content de pouvoir le tester. Enfin, c'est un jeu qui ressemble un petit peu, en vrai. Si t'aimes bien Diablo, tu risques d'aimer ce jeu. Ouais, je vais bien, merci. Enfin, en fait, j'ai tout le temps des migraines, Spyman, tu vois. Tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est pour ça, les amis, qu'en vrai, je joue pas. J'ai tout le temps mal à la tête. Tout à l'heure, j'étais encore en train de dormir. Je souffre sa mère. Mais à part ça va. Mais j'ai. Voilà. Et vous avez vu, nouveau design. J'ai tout changé. Alors, design, l'overlay et tout, je l'ai payé. Le seul truc que j'ai fait personnellement, ben, c'est tous les petits réglages là pour les noms. Le chat Twitch. Les alertes, c'est pas moi aussi. Par contre, ce que moi j'ai fait, c'est le logo. J'ai juste fait mon logo et j'en suis fier. Franchement, je l'aime bien. Je suis content. Allez, ça fait comme ça. J'aime bien. Franchement, là. Content. Je voulais quelque chose de sobre. Bon, on peut parler un petit peu du jeu si ça vous intéresse. Ouais, re. Fondateur, leader de Beats. En vrai, t'as tout, Spyman. T'es le leader pour les beats. Fondateur, t'es depuis 16 mois. J'oublie, hein, mais merci encore, hein, Spyman. Bizarre, j'ai eu une micro-coupure quand tu as dit sa mère. Il y a eu un. T'imagines, il y a un truc qui te. Ah, oh, mais moi, si demain, quand tu dis un gros mot, il y a un bip ou un truc, ça serait dingue. Un jour, il pourrait le faire, hein. J'ai mon oreille droite, elle tient pas. Je sais pas pourquoi. Mais en plus, c'est rien, quoi. Je rachète des bons écouteurs un jour. Bon, le jeu. Le jeu, il sort le 31 mars 2022. Smilegate RPG, des développeurs. C'est fourni, c'est édité par Amazon Games. C'est extrêmement positif pour le moment. C'est les gens qui ont pu tester les bêtas ou quoi? Oui, je suis que sur Twitch. Je fais plus sur YouTube. Je peux pas. Quand je m'étale, c'est pas bon. Alors, genre action-aventure, gratuit, maximum multijoueur, RPG. Quoi, dit gratuit? Lost Ark, ça serait un free-to-play. D'accord, là, t'as des packs fondateurs en vrai si tu veux jouer. Un jour, il sera gratuit. Parce que franchement, j'en sais rien du tout. Bon, si tu payes, t'es sûr d'y jouer le 31 mars 2022. Ou peut-être qu'il sera. Je sais pas. Franchement, là, il y a plein de choses que je sais pas. Alors, c'est quoi? Embarquez-vous dans une odyssée à quête de l'arche, perdue dans un monde vaste et dynamique. Explorez de nouvelles terres, cherchez des trésors perdus et relevez le défi de combat trépidant et plein d'action. Établissez votre style de combat grâce à votre classe et votre classe avancée. Personnalisez vos compétences, vos armes et votre équipement pour développer votre puissance et affronter des hordes d'ennemis, de boss colossaux à de forces obscures avides de pouvoir de l'arche dans ce RPG free-to-play bourré d'action. Bah non, mais merci, merci pour le soutien. Merci pour tout.
Là, je suis en train d'économiser pour la... On dirait un enfant de 5 ans. J'économise. Ouais, non, j'économise pour la... Pour la Xbox Series X. Là, j'ai 150 euros déjà. Ça va? Ça va. Doucement, il reste encore 350 et c'est bon. J'économise. Je les garde, je veux user dans aucun jeu. Je veux... Faut que j'achète la console. Là, j'ai un gros problème. Je peux plus jouer à des jeux. Battlefield, je peux pas y jouer dans... correctement. Je peux rien jouer. On peut pas faire des choses. Bing. Là, il y a quoi? Là, il y a Forza Horizon qui arrive. Même si je vous dis la vérité, je pense qu'il sera bien, mais... Je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai l'impression qu'on va pas y jouer si longtemps que ça. Mais on verra. Peut-être que je vais me tromper. Et franchement, je dirais la vérité. Vous savez, si demain, le jeu c'est une tuerie, je dirais que je me suis trompé. Ça, pour ça, j'ai pas honte de dire quand je me trompe. Mais ce Forza, je sais pas, il a eu 19 sur 20, mais... Maintenant, les notes de jeuxvideo.com, déjà, je leur fais pas confiance. Je peux vous mentir, mais jeuxvideo.com, j'ai du mal, hein. Il y a des jeux qui méritent plus. Ils méritent des bonnes notes. Ils ont des 12 des fois. Tu te dis, oula, c'est bizarre quand même. Hein. Et dès que c'est Ubisoft, par exemple, qui sort des jeux tout le temps, ils ont des 18, 17. Des fois sur des jeux qui sont claqués. Je suis désolé. Bon, bah franchement, je suis quand même pressé de tester. On en est où là? Encore 4240 personnes. En plus, je sais même pas si ça tombe sur mon PC. Ça a tout ce temps, peut-être pour rien du tout. Eh bon, on sait pas. Hein. Pourquoi Spyman, t'arrives pas à regarder le stream là avec ta connexion? J'ai vu que t'étais en train de jouer à. Tu sais que j'ai fait demander quelque chose. J'ai fait demander si tu voulais jouer à. Comment il s'appelle? Scavengers. Mais quand je suis venu, j'ai fait ça en vrai. Bah, tu vois pas. Là, je vois le truc Xbox. J'ai vu que tu joues à Demon Slayer. J'ai dit, je le laisse tranquille. On verra plus tard. J'ai raté, j'ai fait comme ça. Le mec, ça y est, il joue. Faut que tout le monde joue, tu sais, d'un coup. Oh, 3300 places. Putain. Allez. Non, ça passe. Ah, ça passe. J'avais pas compris au début. Bon, j'espère que moi, mes mal de tête, là, ça va aller. J'en ai marre. J'ai quand même envie de streamer mort de rire. Je te dis ça. Et là, ça lag. Attends, est-ce que je vois le débit? Parce que je crois que, vu qu'il y a des choses qui bougent pas... Tu vois, c'est 6100. Ça fait 6000. Le max que ça monte, c'est entre... C'est 6200 KO. Secondes. Je sais même pas ce que ça représente. Je sais pas. Moi, j'ai mis le truc là de Twitch. J'ai mis 6000. Mais ça prend quand même un peu plus. Ouais, quand même qu'on joue ensemble, Spyman, hein. J'aime bien jouer avec toi quand même. Mmh. 1560 places, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est fou. C'est dingue cette histoire. Le serveur est saturé, veuillez patienter, votre place dans la file d'attente est de 1118 personnes. Nombre de personnages possibles. Oula, c'est déjà quoi ça? Y'a un max quand même? 9 972 000, ça va aller. Eh ouais. Et t'en penses quoi franchement de l'overlay, Spyman? Ça veut s'asseoir un peu l'ordinaire. Je voulais pas quelque chose de bleu. Je voulais pas quelque chose de rose. Je voulais pas un truc cyberpunk, tu vois. Je sais que c'est la mode en ce moment. Je voulais faire quelque chose de... J'ai cherché quelque chose de différent. J'ai changé les musiques aussi. Attendez, je peux te faire écouter. J'ai volé le son à ma chérie. Alors, je peux pas montrer celui-là des donations, mais je peux montrer suivre, abonnement, les beats et autres. Mes beats, il n'y a rien de spécial. Ah, ça y est. Ouh.
Bon, avant, je vous montre vite fait. Ça va faire comme ça. J'ai failli te prendre, Hot Wheels. Ouais, mais regarde, je joue même pas. C'est gentil. Ah oui, ah! Ah, d'accord, ok, ok. Ouais, ça fait comme ça. On doit avoir switché. Ah, merci, c'est gentil. Et voilà, je vous remontre une dernière fois. Ça fera comme ça, c'est propre. Et les donations se mettent au-dessus de moi. Mais ça a été très très difficile à régler. Pour que les noms soient vraiment dans la case, il a fallu que je touche du code. J'y avais jamais fait. Et avant que je comprenne comment baisser le texte, oh là là, je suis resté dessus au moins 4-5 heures. Mais bon, le but c'est d'y arriver. Bon, nous sommes arrivés sur l'interface. On doit choisir une classe, mesdames et messieurs. Et on a le guerrier. Attendez. Voilà. Guerrier, mage. Alors ça, c'est le guerrier. On voit... D'accord, est-ce qu'on voit leur tête? Ok. Le mage. Ok. On peut avoir en masculin ou on est bloqué dans les sexes? Martialiste. Oh putain. Elle est vraiment classe par contre elle. Par contre elles sont plutôt jolies hein. Ah on a en femme. On a en homme. Oh magnifique. Elles ont la classe hein. Tireur d'élite. Tireuse d'élite. Assassin. J'ai mon PC qui est en train de couiner. Et après, il y en a même d'autres là qu'on voit pas. Il y en a trois autres. Je sais pas. Ah, lui, il a l'air d'être méchant en vrai. Je sais pas quoi faire. Alors, j'hésite entre. Je vous dis la vérité, j'aime. En vrai, j'aime bien le guerrier. Guerrier. Martialiste et tireur d'élite. Mais je sais pas quoi prendre. Ah bah attendez, regardez, on voit quelque chose en bas à droite, j'avais pas fait attention. Puissance, attaque, portée, dextérité, défense et soutien. Alors il a quoi le plus? De la défense. Martialiste, fort. Défense, il est rapide. Lui il est rapidos. Ok, lui va te mettre des coups de poing, il va t'arracher ta petite tête. Tireur d'élite. Puissance. Soutien. Putain, c'est dur, franchement, c'est une grosse responsabilité tout ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Bon, faut bien que je choisisse. Ah, j'hésite. Guerrier, je me dis... Allez, ou martialiste, homme, ou tireur d'élite. Attendez, on peut voir aperçu de la classe avancée. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais voir. Ah ouais. Elle a trop la classe. Magnifique. Au niveau 10, vous pourrez choisir votre classe avancée. Ok. Mais j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. On va regarder tireur d'élite. Ah, d'un coup, c'est moins dynamique. Hein. Ah, il fait plus mou celui-là. Hein. Mais ça a l'air d'être bien aussi. Ouais, franchement. J'aime moins celui-là.
J'ai moins celui-là et on va regarder le guerrier. Et pour l'instant, mon petit choix, c'est martialiste. Ah ouais, lui, c'est multi... multi-cible, truc de malade. D'accord. Un pistolet-lancier. Oh, t'as un fusil à pompe, le truc. Ok. Et après, t'as un paladin. J'avais pas vu pour l'autre. Je sais pas si on avait. Ouais, c'est pas mal, mais non. Putain, là, il y avait que ça. C'était ça. Et on avait quoi? Le tireur, voilà. Ah, regardez. Il y avait le save implacable, il y avait franc-tireur aussi. Ok, c'est franc-tireur qui est plus rapide alors, peut-être. Artilleur. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est bon, j'ai fait mon choix. Martialiste, allez. Afficher l'histoire. Il disait vous en français? Tu veux que je te raconte l'histoire d'un martialiste? J'imagine que t'en as assez d'entendre parler du grand maître, je me trompe? Bien. Alors écoute ça. Il était une fois un martialiste sans talent qui vivait en Anik. Un homme des plus insignifiants. Mais un jour, les démons attaquèrent son clan. Son frère mourut en le sauvant de l'attaque du chef des démons. N'étant pas considéré comme une menace, il fut le seul à être épargné. Ce jour-là, le désir de vengeance consuma son cœur. Il passa sa vie à s'entraîner. Jour et nuit, il progressait, se préparait. Spider-Man, je sais pas s'il donne envie ce jeu, je sais pas si t'es encore là. Et un jour, le démon et ses sbires revinrent. Et il les affronta. Seul. Il combattait comme s'il était possédé. Et contrairement à la précédente bataille, aucune des créatures démoniaques ne fut épargnée. Son histoire se termine ici. Enfin, peut-être est-il parti relever un nouveau défi quelque part? Il y a tant d'innocents à protéger et de démons à anéantir. La VF est plutôt pas mal. Sauf, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouvais que... Ah, les dessins, ils sont pas forcément foufou quoi. C'est un drôle de style, la patte. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, mesdames et messieurs. Je ne sais pas. Bon, allez, moi, je prends lui, personnalisé. On va lui faire un petit style à la Kyria, là. On va lui mettre des cheveux gris direct. Bon, on a quoi? Afficher les tenues. Pardon. Afficher les tenues, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Plutôt jolie, celle-là. Ça me gratte, c'est un truc de dingue. Que prendre? Putain, je viens de prendre lui. Petite tenue toute simple. Action d'émote. Putain, je m'en tape un peu le coquillard, comme on dirait. Personnalisé. Personnalisation 1. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? À droite, on a... Merci beaucoup, Paradox, pour le Prime. Ah, merci, c'est gentil. Merci, comment tu vas?
Là, j'ai les. Je sais pas si c'est le jeu qui est fort ou j'ai mes notifications qui sont pas assez fortes. Il faudrait que. Faudrait que je change tout ça. C'est quoi, je vais le faire maintenant. Je les trouve un petit peu flébards. Ouais, ça va, ça va. Oh, j'ai ouvert une page internet, le PC il est tellement en souffrance. Il m'ouvre pas la page. Ah, ça y est. Regardez le temps que ça met, une page internet. Hein. Ah, il y a tellement de choses à changer. Si je devrais tout changer, j'en aurais pour combien, bordel? L'argent. Argent, argent. Et moi, je vais bien. Hein. Je voulais juste faire ça vite fait. Je fais ça une minute, hein, j'en ai pas pour longtemps. Ouais, je vais bien, juste des mal de crâne, c'est tout. Beaucoup de douleurs à la tête. J'ai pris un Doliprane tout à l'heure, mais ça m'a rien fait du tout. Normalement, je prends pas de médicaments. Elle m'a dit, prends-en un quand même. Mais... Alors. Vite fait, bien fait, hein, je te dis. Hein. Alors, les follow. Ah, j'ai mis à 34. Vas-y, on va le mettre à 50. J'ai pas mis bien fort. C'est vite chiant quoi, tu te dis des fois c'est trop fort. J'ai mis 32. On va mettre 50. Ah, il faudrait un autre sub pour voir. Non, je rigole. Ouais, des autres subs les gars là. Alors les hosts. J'ai presque fini. C'est bon, ça c'est à 50. Les beats. Personne veut me donner des beats? J'aime les beats. Merde, j'ai pas sauvegardé. Allez, c'est bon. Nickel, merci. Bon, ça y est. Excusez-moi. Oh, mais par contre. Toutes les possibilités, tous les styles qu'on a. Si tu trouves pas quelque chose qui te plaît, franchement, il y a un problème, non? Oh, comme il est détaillé, lui. C'est incroyable. Dézoomer, zoomer, faire pivoter. Ok. Oui, j'aime bien, mais ils font trop propre sur leur visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça va, hein. Ça va. On va prendre lui, parce que j'aime bien. Et avec... Tac, ça on va pas changer. Oh, c'est une bêta, on va pas se prendre trop la tête, mais au moins vous voyez un petit peu. Tout ce qu'il y a déjà dans le jeu actuellement. Même si je pense que dans le jeu final, il y aura peut-être encore plus de choses. C'est déjà pas mal, hein. Ah non, en plus tu peux mettre éclat des cheveux, l'intensité. Étendue. Là, tu peux régler un petit peu des effets. Ouais, ça c'est... Ça rigole pas, hein. C'est marrant parce qu'il garde encore des coupes. C'est très asiatique. Ah, j'aime bien comme ça. Bah, faudrait que je fasse une coupe comme ça on verra plus mon front. Je parle dans la vraie vie, hein. On va prendre ça. Ok, les yeux. Les yeux, on s'en fout. Couleur de l'iris, couleur des yeux. On touche pas. Les yeux. Vert. C'est un joli vert, ça. Ok! Allez, c'est bon. L'exagération. C'est quoi, ça? Des rides? Ah, moins de rides. Moi, ouais, je sais pas. L'intensité. Wow. Tu peux te faire une peau un peu grasse? Ah, je me suis lavé aujourd'hui, alors je vais pas me mettre trop gras. Allez. Bouge à lèvres, sourcils. J'arrive pas. Oh putain! Bah ouais, un petit chouïa quand même.
Voilà, comme ça. Je vais mettre du maquillage et tout. Allez, appliquez. Mon nom. Ah, par contre, là, ça va. Hop. R-I-A. Bah, mets-moi des majuscules, s'il te plaît. Pourquoi tu... Hein. On peut pas. Je jure qu'on peut pas. Ah, tu peux pas, d'accord. Ok. Vas-y, hein. Le nom du personnage contient plusieurs caractères non reconnus. Voulez-vous donner? Oui, oui, allez. Tu peux pas mettre des chiffres, c'est dommage. D'accord, c'est présenté comme ça. Personnage principal, voilà, niveau 1. Ok. Bon, bah, voilà. Sauf, est-ce qu'on peut aller maintenant dans les réglages? Tout à l'heure, j'ai voulu y aller. Ouais, on peut pas y aller. Pour les boutons. On peut rien regarder, du tout. Les ombres indirectes, inactifs. Flou de mouvement, non. Flou lumineux. Effet de flou lumineux, non. Halo lumineux. Flou de mouvement. Casse la tête, il y a deux fois flou de mouvement. C'est malade, deux. Oh, j'ai baissé un petit peu, hein. Je pense que je vais devoir baisser encore un peu. Et si vous n'êtes pas content des saccades, bah n'hésitez pas, hein, y a des donations qui sont en bas. Hein. Mais en premier, j'achète l'Icebox. Croissance Express. Qu'est-ce que c'est que ça? En terminant le Bern, seule une chance est accordée par contre. Ouais. D'accord. Je comprends pas. Et lance-moi ça. Ramasser, interagir. J'ai. Pourquoi j'ai, en fait? Tu peux m'expliquer? C'est loin? Tu peux régler directement là? Non, moi c'est ça. Ok. Compétence. A, Z, E. D'accord, ça encore ça va. Ah oui, si, c'est bon, c'est nickel en vrai. Déplacement. Attaque. Ah oui, parce qu'on se déplace avec la souris. Attaquer avec le clic droit. Non. Ah, c'est chiant en fait. C'est pas le même bouton. Ah, je sais pas. Ah, franchement, là, ils m'ont posé une colle. Des fois, il y a des trucs à la con comme ça. Je sais pas si vous restez bloqué, vous, moi, là. Je sais pas si c'est plus simple de me déplacer avec le pas de gauche. Je vais mettre celui-là. Parce que si on doit plus se déplacer qu'attaquer, j'en sais rien. Je pourrais changer après, mais. Vas-y, on va mettre ça. Mode par défaut. Mode photo sensible. Ah, pour pas faire des crises. Je me demande c'est quoi le meilleur, en vrai. On va laisser celui de gauche. Si je ferai une crise, on saura pourquoi. Imagine, toi, tu fais un live, il y a quelqu'un derrière son écran, il regarde ton live, et lui, il fait une crise à cause de toi. Bah, c'est pas vraiment de ta faute, mais... Faites attention, hein. Pas des crises. Et encore merci, hein, pour le Prime, hein, Paradox. Tu veux que je te raconte l'histoire d'un martialiste? On a déjà vu l'histoire. J'imagine que t'en as assez d'entendre parler du grand maître. Je trouve que les dessins, ils sont pas très beaux, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Alors écoute ça. Cel shading, mais éclaté. Pas un joli cel shading. Il était une fois un martialiste sans talent qui vivait en Anik. De rien, c'est un cadeau. Un homme des plus insignifiants. Mais un jour, les démons. Bon, on va pas vous regarder, on a déjà vu tout à l'heure.
Impossible de passer. Quoi ? Son frère mourut en le sauvant de l'attaque du chef des démons. N'étant pas considéré comme une menace, il fut le seul à être épargné. Ouais, pas terrible, hein. Ce jour-là, le désir de vengeance consuma son cœur. Tout pexilisé bizarre, pâté en croûte, séché. Moi, je dis la vérité, hein. Moi, je suis pas là pour lécher le boubou le jeu. Hein. Ce qui est beau est beau. Ça, c'est pas beau. Il progressait, se mais bon, le jeu est en français, on va pas se plaindre. Ouais, c'est un style, mais j'adore le cel shading, moi. Et ouais, Borderlands et tout. Le démon et ses sbires. Mais revinrent. C'est pas très joli là devant mon écran. Ce qui est bizarre, c'est que sur mon écran de droite, seul. Qui est en plus petit, bah là c'est plus joli. Mais l'écran de gauche qui s'étale un peu, c'est moins beau. Comme s'il était possédé. Comme s'il était possédé. Et contrairement à la précédente bataille, aucune des créatures. Oh, regardez, les sous-titres, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Comme dans les films. Son histoire se termine ici. Enfin, peut-être est-il parti relever un nouveau défi quelque part. Pourquoi ils écrivent pas vraiment ce qu'elle dit, elle. Il y a tant d'innocents à protéger et de démons à anéantir. Là, j'ai dit ça, elle a dit vraiment la phrase. Mais c'est vrai. Moi, j'aurais des problèmes et tout. J'aurais bien voulu avoir les vrais sous-titres. On dirait qu'ils font au plus simple. Je vous attendais. Oh, enfin, par contre, là, c'est beau. Voilà, là, oui, je suis d'accord. Merci. Le destin vous a mené ici. Là, par contre, dans ces jeux, comme elles sont bonnes, les femmes. C'est incroyable. Elles ont tous des nichons à t'arracher les yeux. Elles ont tous mangé la Nutella, elles ne connaissent pas. Bienvenue à la frontière du monde, Trixion. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, là on va peut-être maintenant jouer. Suivez la voie de la lumière. Ok, on suit la voie de la lumière. D'accord, tu peux rester appuyé pour te déplacer, ok. Si ça saccade à fond la balle, n'hésitez pas à me le dire. Je vais m'en rendre compte, moi sûrement, mais. Suivez la voix de la lumière. C'est beau, hein. C'est beau. Il manque un petit peu d'anticrénage, par contre. Et je pense que si je joue en 4K, ça serait bon. Les forces du chaos se déplacent à nouveau. Il faut que les arches sauvent de nouveau. Le monde des démons. Consultez le livre prophétique. Ouais, Il vous montrera la voie de votre destin. La plus grosse question dans cette histoire pour moi, c'est... Est-ce qu'il est possible d'avoir son 06? Oui, oui, je veux prendre. Essentialiste, ouvrez le livre. Les essentialistes se battent avec leurs poings. Info de base. Alors on est très mobile. On a pas mal de défense. Après soutien, portée, c'est pas top. Et puissance, c'est vraiment bien. On a un aperçu, je sais pas si vous voulez revoir l'aperçu. Allez, on va regarder. C'est classe, hein. Ah, si t'aimes Diablo, t'aimeras ce jeu, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain. Moi, quand je l'avais vu, j'avais dit, ah, là, on est passé quand même un petit niveau dessus. Après, je suis pressé de voir Diablo 4 aussi. Avec une vraie map, pas une map procédurale. Il y aura que les donjons, ce sera procédural. C'est-à-dire, vu que ce sera pas procédural pour le nouveau Diablo, on aura des maps beaucoup plus belles. Enfin, une map beaucoup plus belle. Un peu monde ouvert. C'est ça qui est classe, quoi. Il court, là? Ah, la vitesse! Ouais, c'est vrai, ça. Remplissez la jauge élémentaire en attaquant, ce qui permet d'utiliser la puissance compétence ésotérique. Appuyez sur C. Pourquoi il me dit C? C'est droit, quoi. Mode test.
D'accord, ça c'est A. Z. E. On voit qu'il y a du temps. Compétence combo. Appuie sur la touche des compétences au bon moment pour effectuer des combos. Mais comment tu sais que faut que t'appuies au bon moment? Il y avait un truc? Il sort quand? Il sort le 31 mars 2022. Je dis pas de bêtises. Comment tu fais pour... ils te disent au bon moment? Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais c'est beau, quoi. Invoquer le monstre. Vas-y, ramène des monstres. Aïe, 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 aïe. Waouh. Vous avez obtenu une boule élémentaire. Vous pouvez utiliser la compétence correspondant au nombre de boules que vous avez. Toujours une histoire de boules, cette histoire-là, putain. Hein, c'est pour DIF, c'est ça? D'accord. D'accord, en vrai, t'as des coups spéciaux sur DIF. Il faut augmenter tes boules. Annuler la vocation. Tester une autre classe. Non, c'est bon. Arrêtez le test. Ça c'est cool ça, par contre avant de t'envoyer à la guerre, je peux tester un petit peu. J'ai pris lui, maintenant je le garde. Hein. J'ai choisi ce destin. Ouais, il y a des trucs, j'ai pas compris. Encore ouais, moi j'ai pas saisi. Je le kiffe. Elle va me parler là. Oh que tu es beau. Faisons des bébés. Conciliateur univers. Des hauts faits. Approchez-vous de de qui? Béatrice. Ouais, on aurait pu faire mieux quand même. Que Régulus bénisse la voie que vous avez choisie. Que Régulus ta mère l'anus. Ah oui, excusez-moi, faut que j'appuie sur G, c'est chiant ça. La force des ténèbres gagne en puissance. Mais n'aie crainte, mon enfant, l'avenir n'est pas encore décidé. Suivez votre destin. Ouh! C'est ça quand tu prends une quête? Eh ben putain. Ce ne sera que le premier pas dans votre grande quête de l'Arche. Le futur d'Arcésia se trouve entre vos mains. La lumière du monde ne doit pas sombrer dans le chaos. C'est beau. Non, c'est pas super beau, mais... Hein? Oh. 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 Oula, on est où, là? Le pilier de lumière. Nous ferions bien d'y aller. Ils ont tous vu de la lumière, c'était un film de boule. Quoi? Aller où? Retrouver de vieux amis. Allons-y. Après une attente de 500 ans, les étoiles du destin... Les étoiles de quoi qui font quoi? Reviens, vieux fou! Reviens! T'es dans une grotte, le gars. Hein? Bon, les gars, c'est juste de la lumière. Hein. Peut-être qu'on sait pas. Hein. Peut-être quand elle a touché le sol, ça leur a fait quelque chose. Ils ont remonté au niveau de leurs pieds. Et... C'est une histoire de boule. Les gars, réveillez-vous, on y est. J'ai l'impression que sur cette terre, il n'y a plus d'hommes virils. On est tous en train de se forcer pour faire des doublages. Les gars, réveillez-vous. On y est. C'est pas naturel. Il n'y a plus de vrais bonhommes.
On est tous en train de manger de la merde, on n'a plus de testo, on n'a plus rien. Prochain arrêt, Trua, la terre oubliée. La terre oubliée. Oh, ça c'est beau ça par contre. Magnifique. C'est de toute beauté, hein. Je lui dis, franchement, c'est joli, hein, Bobby. Hein. Et les gars, on est arrivé. Oh putain. Allez, prenez vos affaires. Fierbourg est au prochain arrêt. Ne descendez pas tout de suite, s'il vous plaît. Oh, je vois. Très bien. Nous partirons dès qu'ils seront descendus. Allez, en avant. C'est classe quand même, hein. Vous voilà. Tout en français quand même, hein. Merci à eux. Je pensais pas qu'il serait en français ce jeu, je vous dis la vérité. Je me suis dit, allez, les sous-titres déjà, ce serait plutôt pas mal. Venez un peu par ici. Et vous là, venez par ici. On va faire quelque chose par contre, hein. Si vous êtes d'accord, on va augmenter le son. Augmenter le son, mais des voix. Pas du reste. Réglage. Audio. Ça, tac 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 tac. Musique de fond, on va la baisser un petit peu à 20. La musique, c'est chiant. Ça, 90. Voilà. Notif, temps de recharge. Activer, désactiver notif de recharge des compétences. Hein, c'est un bruit? Ça doit être chiant, ça, non? T'entends gling gling gling. Le micro s'est réglé, en plus on peut se parler dans le jeu parce qu'il y aura d'autres joueurs, c'est un MMO. Texte de macro. Discussion. On a quoi? Opacité de la fenêtre. Ça par contre, ça c'est super chiant ça. Ah, moi je déteste. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, mais je suis pas trop fan. Raccourci. Les commandes de base. Attaque, compétence, tatati, contrôle de compagnon. Je suis perdu, il y a tellement de choses. Navigation. Sirène de navire. Compétence. Ok, objet. D'accord. Menu, d'accord. Carte du monde, c'est M. C'est vraiment simple. Ouais, M, c'est vraiment pas loin, quoi. C'est ça qui est bien. Artisanat, compétence de combat K, inventaire I. Ouais, comme d'hab, quoi. P. Je voulais la touche pour parler dans le jeu. Autre. Peut-être dans autre. Appuyez pour parler. Ah, mais c'est chiant, ça. Je sais pas quel bouton je pourrais mettre. J'ai utilisé ce bouton. D'accord. Le petit 2. Ah, celui-là. Putain, il est pas reconnu celui-là là. Je vois. Tu peux pas mettre ce bouton. Mais celui-là, je peux. Ça fait quoi ça? Ouais, j'ai mis un clic de la souris, mais c'est vraiment pas pratique. Je suis gaucher. Ouais, on parlera pas avec les gens, hein. C'est tout. C'est tout. Ça marche pas. Ce mec est casse-couille. Voilà, j'ai même avis, je suis casse-couille. En même temps, hein, ok. C'est dans autre. Ouais. C'est quoi? Attends, c'était quoi le bouton là? Modifier fonction liée. Objet de combat. C'est très chiant.
Regagner base de combat de siège. Il y a tous les boutons sont utilisés, c'est incroyable. Et ça, c'est utilisé, ça. Voilà, c'est pas pratique, mais bon. On va mettre ça, allez, c'est bon. Ça saoulé. On dirait que le voyage a été difficile. Ça va, hein. T'imagines, ça va, tranquille. Mais je crois qu'il parle que la première phrase, non? Ouais. Vous connaissez les marins? On fait plus sympa. Bien, ce qui compte, c'est que vous soyez arrivé en un seul morceau. L'heure est venue pour vous aider d'explorer la région, hein. Mais méfiez-vous, les gens d'ici peuvent vous planter un couteau dans le dos à tout moment. Et voilà, une belle arme. Comment ça se fait? Il dit qu'une première phrase. Tenez, prenez ceci, ce sont des provisions pour l'expédition de Troie, Rua. J'ignore à quel point cette mission risque d'être dangereuse, mais il paraît que le client a investi une somme plus que rondelette dans cette aventure. Ceci contient une arme spéciale conçue par des forgerons humains. Ok, I. Ceci devrait vous servir rapidement. Utilisez les équipements depuis l'inventaire. Depuis l'inventaire. Ok, j'ai l'inventaire. Plus objet. Je comprends rien. Faut que j'appuie sur P. Ok. Glisser, utiliser, placer dans l'inventaire, ouvrir. Putain de ta mère. Putain de sa mère. Oh, je comprends rien. Hein. Déjà, ça y est, je suis bloqué. Il est claqué. Et c'est quoi, je peux le prendre après? Ouvrir. Gantelet de l'aventurier. 50. Direct, Jerry me donne un truc mieux. Ok, l'équiper. Bon, voilà là, niveau de les. Objet équipé. Niveau d'objet équipé, c'est tout ce que t'as mis sur toi en vrai. D'accord. Il a quelque chose en particulier? Ah, oh, on s'en fout. Bon, c'est présenté comme ça alors. Regardez, tu as des pré-réglages. Comme ça, si t'as équipé des trucs, tu veux changer pour les combats. Ça, par contre, l'inventaire, il est immense. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression, par rapport à un Diablo. Oh, il va jouer le petit ou quoi, là? Vous me plaisez. Je vois à votre regard que vous êtes fait pour ce travail. On peut toujours juger de la qualité d'un aventurier à son regard. Et de nos jours, les personnes de qualité sont rares dans les terres oubliées. En fait, cette équipe n'est pas trop mal. Alors j'imagine que le trésor est colossal. Vous savez quelque chose à ce sujet? Que veux-tu dire? M'informer de toute l'histoire. On dirait que le prêtre de l'ordre de Sacria a offert une énorme récompense à quiconque l'aiderait à trouver un trésor caché. À Troie. On dit Trua ou Troie? J'aurais dit Troie. Je sais pas. C'est Trua. Une guerre a été livrée ici autrefois. Les autorités locales ont interdit l'accès à cette zone en raison du danger. Ils ont dû changer d'avis. J'ai toujours cru que tout bien précieux aurait été détruit pendant la guerre. Quand je vois tous ces combattants, je me demande si on ne... Attendez. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Ah, il s'est passé quelque chose. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Non, regardez-le. Dommage que... Allez, aventurier. J'ai le lire, c'est chiant. J'ai raté, ça me gave. Pourriez-vous m'apporter un peu d'eau? Enfin, ça me gave pas, mais... Parce que je suis en live, je lis. Et si je lis pas, ça va. Vérifiez l'emplacement de l'objectif. Et il veut de l'eau? Ah, tu veux de l'eau? Approchez-vous de l'objet. Putain, avec les boutons, là. Laisse tomber. Oh, c'est pas un petit peu trop petit, là? Je vois rien. Je vois que dalle, je suis désolé, je vois que dalle.
Ouais. J'ai des petits yeux. Hein. Oh. Merci beaucoup. De l'eau. Oh. De l'eau. Ah, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais cru que le mal des mers pouvait avoir de tels effets. Ouais, c'est bon. J'avais l'intuition. En vrai, il avait juste la flemme d'aller chercher de l'eau. J'avais l'intuition que vous étiez une bonne âme. Ouais, c'est ça. Les chances d'avoir eu raison. Puis-je vous demander votre nom, gentil aventurier ? Je m'appelle Gisèle. Oh, Kyria, quel nom singulier. C'est certain, je ne l'oublierai pas. Je suis Morpheus, prêtre de la Sacria. Je suis à la recherche du trésor enfoui sous l'océan de la cité de Trua. Un trésor ? Ah, il semble que vous n'ayez pas encore parlé de Zerka. Permettez-moi d'éclairer votre lanterne. Les données archéologiques décryptées par l'église ont révélé que ces terres abritaient le dernier trésor du prophète. 50 gigas, monsieur. 50 gigas! Il est immense, mais je crois que le jeu est vraiment très grand. Alors, je pense que cette taille correspond réellement à ce que tu vas retrouver dans cette bêta. La nouvelle s'est répandue parmi les aventuriers, mais personne n'a encore rien trouvé. Avant que la rumeur de cet Eldorado ne se répande davantage et que d'autres gens n'arrivent encore, l'église a décidé de recruter des aventuriers aguerris pour explorer les lieux. Elle a également choisi d'envoyer de nombreux prêtres, comme moi, pour tout superviser. Je ne pensais qu'on me confiait une tâche aussi dangereuse, mais... Ah, voici Zerka. Vous avez vu, il y a Elax, j'ai changé complètement de style. C'est lui qui a la tête d'expédition. Allez, laissez-moi jouer! Rassemblez-vous! Ouais! On arrive! Les gars! Faites pas chier, putain! Vous enlevez ça? Ouais, ça défonce! J'ai la tête qui tourne! Accélérez! Ouais! Ouais, 50 gigas, ça fait chier, putain! T'es loin, t'es chargé en plus! C'est ça que tu me dis que les petits logos là pour les combos. Combo, ouais, c'est ça. Hein. C'est quoi combo? C'est-à-dire si tu fais le Z et R? Je suis le capitaine de cette expédition à Trua. Appelez-moi Zerka. Trua, c'est Trua, d'accord. J'imagine que vous le savez déjà tous. Et Trua est une ancienne cité dévastée par la guerre il y a bien longtemps. Nous n'avons qu'une seule et unique mission sur cette terre maudite. Il s'agit de trouver le trésor recherché par les prêtres, en suivant les indices laissés au sein de la cité. Aucun d'entre vous n'est irremplaçable. Quiconque s'amènera, le trouble sera abandonné sur place sans merci. Voici la carte dressée par les éclaireurs. J'ai mal à la gorge. Appuie sur Tab pour accéder à tout moment à votre carte. Ok. Consultez la carte le plus souvent possible. C'est vrai. Merci. Ok, ah oui, t'as la carte comme ça. T'as la petite carte à la Diablo et t'as la grosse carte. On peut pas encore la mettre pour le moment. Peut-être ces virgules. Non, on peut pas. Alors écoutez les explications. Faut encore lui parler? Casse les couilles. Le groupe d'éclaireurs a annoncé avoir terminé d'explorer la zone. Sans rien trouver de particulier. Ouais. Quelle perte de temps. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous enfoncer plus profondément dans la région. Et soyez prévenus, si vous ne trouvez aucun trésor ou signe suspect, vous aurez de gros... Attendez, cette odeur puissante. Une sorte de créature se trouve à proximité et restez sur vos gardes. Je te laisse mon ami. Avec le Mickey à trouver, je peux pas suivre grand chose. Ah putain. Ah dommage. C'est dommage. Bah ok, bah Spyman, à plus tard. Merci d'être venu tout de suite. Ouais, j'en ai marre de la mise en scène, c'est chiant. Merci beaucoup. Capitaine, ouh, des trolls ont envahi le camp. Capitaine, oh, je connais cette voix. Oh, bon sang. Oh, le petit capitaine. Réveillez-vous et prenez vos armes. On va tuer quelques trolls. Ok. Regardez comme il se met. J'aime trop. ZD.
C'est une rediff, je verrai. Oui, oui, je vais la remettre sur YouTube. Je la remettrai sur YouTube. Appuie sur C pour attaque de base. T'inquiète. D'où est-ce que viennent tous ces trolls? Je comprends pas ce que je fais, ça défonce. Allez, anticipez-les tous. Je suis pas à l'aise, hein. Oh putain. Je me demande combien d'FPS j'ai. C'est vraiment pas fluide. Ce qui est faux, c'est qu'on arrive directement, on a plein d'attaques, on n'a pas le temps de se familiariser avec les pouvoirs. Par exemple, j'aime bien dans Diablo. Diablo, t'as juste un pouvoir et tu commences à le connaître, tu comprends à quoi il sert. D'un coup, t'en as un deuxième et ainsi de suite. Diablo, c'est progressif, enfin, surtout dans le 3 après. Que là, on se retrouve directement avec plein de pouvoirs. Je fais n'importe quoi, je vous dis la vérité, je sais pas ce que je fais. Mais bon, vive Twitch, ouais, moi franchement. Là, je vais streamer que sur Twitch maintenant. Je mettrai les rediffs sur YouTube, mais je m'étale plus. J'arrête de faire de la merde. Portez Azerka. Ok. Parlez Azerka. Tous ces efforts pour rien. Ouais. Je dois en savoir plus sur l'itinéraire emprunté par les éclaireurs. Il va falloir nous dépêcher pour le trouver. Seuls ceux qui sont gravement blessés y resteront pour être soignés. Hé, prêtre, vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Oui, sauf oui, bien sûr. Attendez, je vois un truc. Ouais. Que ça ouais. Ça se met pas les FPS. Ouh là là, oh, j'ai mon processeur. Putain, 80%. J'ai pas beaucoup d'FPS. Pas vous mentir. C'est dommage, y'a pas moyen de voir ces FPS. Ça marche pas avec le Nvidia là. Quand je mets, je les vois pas. On va peut-être baisser un petit peu le tout. Hein. Particules, on va mettre moyen. Les ombres, on va mettre moyen. Je vais juste laisser les textures en très élevé parce que texture c'est important. On baisse un peu. En espérant gagner, mais. Je sais pas. Bon, ok. Écoutez, vous me faites peur là, hein. Vous pourriez poser ce couteau, s'il vous plaît. J'ai décidé de venir à condition de ne pas être un fardeau. Mais moi aussi, j'ai un travail à accomplir. Cela dit, j'aurais besoin d'un coup de main. Kyria, vous pouvez m'aider? Ouais, tranquille, vas-y. Hey, ne vous aidez le père, mon faisant. Quelqu'un d'autre s'en chargera. Organisez le camp. Les environs. Assurément pas être facile. On doit soigner des gens. Je peux soigner, moi? Ok, on peut soigner les blessures des gens. Merci. Ce n'est pas une blessure grave. Inspectez la tente. Écris un petit peu petit, quand même. Hein. Journal d'expédition de Truard numéro 1. Les trolls ont attaqué pendant 4 jours sans discontinuer. Sans discontinuer? Des recherches méticuleuses. Franchement, je vais pas lire. Hein. Je vous dis de la vérité. Mais si ça vous intéresse... Vous pourrez lire par vos propres petits yeux. C'est chiant. Là, c'est chiant. Là, c'est chiant. Hein? C'est pas le jeu final. Là, c'est une bêta. Quand est-ce qu'on va finir par trouver ce trésor? Je ne sais pas. Fais un rapport à Morpheus. Je crois que pour ces gens, il est déjà trop tard. Le danger n'est pas encore passé. Si nous ne nous préparons pas à ce qui va suivre, nous perdrons la vie. Tout comme eux. Kyria, voici une potion de PV en provenance de l'ordre. Ne l'utilisez qu'en cas de danger. La jauge rouge en bas de votre écran indique vos PV. Une fois que vos PV n'auraient plus de PV... Quoi ? Une fois que vous n'aurez plus de PV, vous ne pourrez pas poursuivre l'aventure, car vous serez mort. J'ai déjà donné la potion à certains d'entre eux.
Ok. Trouvez la position de l'inventaire. Utilisez là un raccourci. F1. Ok. Ok, c'est F1. F1. C'est loin F1 quand même. C'est super loin F1. Ah, c'est loin. C'est... Non, mais au niveau des boutons, il y a un travail à faire quand même. Là, je pense que vraiment jouer à le jeu, mettrais 1, 2, 3, 4. Au pire, j'essaierai de changer. Quel âge c'est qu'un 2, 3, 4 c'est pour autre chose. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Tu peux mettre là-dedans? Non, tu peux pas. T'as F1. Le trésor est important, mais s'en sortir vivant, c'est ouais, ça qui compte Potter. Vraiment. Faites bon usage de cette potion. Ok. Vu la façon dont vous aurez terrassé ces trolls, sans le moindre effort, vous avez du potentiel. Par contre, je comprends pas, c'est normal qu'on a vraiment pas les voix. S'ils sont fait, ils sont pas cassés la tête en vrai, ils ont fait juste une phrase pour te mettre dans le bain, et après faut tout lire. Vous maniez des compétences de combat plutôt impressionnantes, Kyria. Des compétences de combat? Oui, il s'agit de compétences spéciales dont se servent les aventuriers pendant les combats. Chacun a son propre style, déterminé par sa classe ou ses préférences. N'oubliez pas de consulter, en appuyant sur K, compétences de combat, disponibles aussi souvent que possible. Vous savez comment gérer vos compétences de combat, n'est-ce pas, Kyria? Je sais tout ce qu'il y a à savoir. Laisse-moi pas les couilles. Avant de partir en expédition, consultez vos compétences de combat et réfléchissez aux compétences les plus adaptées à la situation. Ok. Ah, ça fait mal aux yeux quand tu vois tout ça. Ça fait mal. Oh putain, ça m'a angoissé. Je sais pas si vous avez comme ça des fois des choix. Ouais. Des choix, bah, parce qu'on est au début, mais c'est vrai, choix multiples. Ouais. Si tu veux, ok. On va en prendre qu'une, mais... Et comment ça se passe, alors c'est quoi ça? Les effets de cette compétence ne s'appliquent pas lorsque le livre des coordinations est actif. Ok. Il y a un niveau. Attendez, j'essaie de réfléchir. Ajouter une rune de compétence pour déverrouiller les compétences équipées des runes sont renforcées. Là, on a ça. L'élément devient ténèbres. Taux de coup critique 15, plus 15%. Jauge élémentaire. Bon, on n'a pas de points. Hein. Il est recommandé. Pour les raids. Ça a d'être vraiment un jeu complet. Mais vous voyez là, d'un coup, je le sens... Il me semble... Enfin, j'ai peur que ça soit assez difficile à prendre en main au début. Ouais, il n'y a pas de choix, t'sais. Bon, après, on peut augmenter les niveaux. Après, c'est mes pouvoirs que j'ai en bas, en vrai. Pour l'instant, c'est ceux-là. Après, niveau 12. Niveau 12, j'aurai des nouveaux. Enchaînement. Compétence de réapparition. Apparition du tigre. Ouais, bon. Allez, on s'en fout. J'ai pas encore joué depuis tout à l'heure, ça m'a gavé. Nous ignorons ce qui va se passer. Alors, autant nous préparer au pire. D'accord. Ouf, je suis épuisé avant même qu'on ait commencé l'exploration. On boit un peu d'eau, peut-être. Mais il paraît que Zerka est un bon chasseur de trésors. Alors on devrait trouver rapidement un chemin vers l'ancienne cité, non? Les services d'une personne aussi talentueuse que Zerka ne sont pas gratuites. Alors le trésor doit être d'une grande valeur. Ouais, de grande valeur, mais on s'en fout. Malheureusement, je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Les textes déchiffrés ne livrent aucun indice. Il paraît s'agir de quelque chose de très dangereux, ou d'une simple pierre. Ça pourrait avoir quelque chose, ou alors ça pourrait avoir quelque chose à voir avec l'arche des légendes. Attention, choix multiple. Ah là là. Paradoxe. Je sais pas à quoi choisir. Peut-être ça va être capital pour mon aventure. Les artefacts légendaires de grand pouvoir. La plupart des gens croient qu'il s'agit d'un mythe. Ouais. Mais l'église prend le sujet de l'arche très au sérieux. C'est un secret, mais... Nous pensons que le trésor du prophète que nous recherchons pourrait être un indice pour trouver l'arche. Oh, je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Allez, par ici.
Tout le monde en place. On va transpercer la barrière et avancer. Là, j'ai des saccades, laisse tomber. Par contre, l'anti-crénelage, moi, j'ai... C'est pas très net. On dirait que c'est fait exprès pour y jouer en 4K. Parce que là, en mi-80, j'ai le décor qui scintille quand même. Je vois quand je me déplace. En plus, j'ai ouais, des saccades. Ouais, bon. Au moins, je voulais voir si ça me plaît. On dit que les ruines de Trua sont protégées par les dieux. Entre les pièges et les plafonds qui s'effondrent, il faut être prudent. Après, c'est joli. Hein. Les manques d'anticrénage, regardez là-bas, au loin. Là. Oh! Ces statues gigantesques ont été construites à l'image des dieux. Je crois que l'anticrénage est au max. C'est Régulus en personne qui a créé l'Arche, la lumière éternelle de la création. L'Arche renferme un immense pouvoir. Le pouvoir de création et le pouvoir de destruction. Le pouvoir d'un dieu. Si seulement on savait où elle se trouve. Il pourrait ouvrir ses yeux quand même. Oh. Prêtre, vous allez bavarder toute la journée ou quoi? Il a raison, on devrait se faire discret. Ouais, il a une tête, elle est microscopique, avec un corps de malade, on dirait dans... Putain, comment ça s'appelle la série, là? Game of Thrones, là, la femme. On dirait un Golgoth. Avec des yeux fermés, mais ouverts. Regardez. Il est dégueulasse. Regardez. Nous avons réussi. Ouais, ouais. Cet endroit n'est pas normal du tout. T'inquiète, je m'en occupe. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Suivez-moi et regardez où vous mettez les pieds. Mais je comprends pas pourquoi les potions sont sur F1. Faut vraiment que je change ça. Hein. Je vais mettre le clic de la souris, je pense. Je sais pas si je peux. Parce que vraiment, les potions, c'est important. Oh, ils m'ont mis le bouton F1. Non mais, c'est pas pratique du tout. Je te le dis. Commande de base. Non, c'est pas ça. C'est compétences peut-être. Objet. Ah là, c'est là. Impossible d'utiliser la touche comme raccourci. Mais pourquoi les gars? Cassez les couilles. Je te l'ai dit. C'est quoi? Putain, mais je vais mettre F1, je m'en fous. On verra. Et toi, je vais te mettre... On verra. Voilà. On verra ça plus tard. Oh, non, faut soigner, bordel. Viens. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Halte là! Oh là là! C'est encore ces maudits trolls. On va forcer le passage. Préparez-vous au combat. Je suis en train de râler les boutons, c'est pas normal. Je comprends ce que je fais. Ok, bah bon appétit. Merci encore pour le prime, merci d'être venu. J'ai tout qui est recharge. Ouh. Là par contre c'est beau. Ah, c'est classe quoi. J'arrive pas à y croire, vous avez détruit tout. Voilà. Et que vont devenir ceux qui sont piégés de l'autre côté? Cessez de pleurnicher. J'ai le réflexe de faire clic gauche pour attaquer, mais c'était inévitable. En vrai, ouais, je fais clic gauche, mais c'est pas clic gauche, c'est clic droit pour attaquer.
Accuser, alors c'est quoi ça? Ok, c'est bon, on peut mettre ça. J'ai eu des gants, des garde-bras. Ouais, c'est des gants d'aventurier. On passe de 23 à 28, 23 à 28. 38 de force à 40, vitalité. Ouais, tout mieux quoi. Durabilité, ah, ça se casse? Ces boutons, j'ai beaucoup de mal. Oh, je suis pas à l'aise. C'est un soulagement que vous alliez bien. Ouais, je suis pas mort. J'ai simplement pris une décision rationnelle pour sauver tout le monde. C'est vrai? Vous avez survécu, non? Quant à vous, vous avez été plus rapide que je l'imaginais. Ça pourrait nous être utile. Quand tout sera terminé, eh bien, je tiendrai un compte de votre participation lorsqu'il s'agira de partager la récompense. Ce n'est pas encore fini. Alors ne prenez pas vos aises. Les victimes? Aucune? Bien, alors on continue. On dirait l'entrée de la ville. On peut passer le prologue si on veut. Le passage est bloqué. Ce serait... Ça c'est bien quand... Tu as déjà fait un perso? Alors... Qu'est-ce que ça dit? En cas de doute, on fait tout sauter! Non, il rigole pas. Apporte-moi l'équipement. Donne-le à Kyria. Placez ceci sur la fissure. Vous voyez là-bas. Et prenez vos jambes à votre cou. Ouais, c'est bon. Une fois que vous l'aurez posé, courez le plus vite possible. Voilà, il me donne la bombe. Cette bombe explose au quart de tour. J'espère que ça va aller. Je vais tout faire péter. Elle a pas cassé en fait. Non, rien n'y fait. C'est de la magie ancienne. Bon hein sang, cette pierre bougera pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer autre part? Le passage, regardez, il est ouvert. C'est ouvert. Qu'est-ce que c'est? C'est une prophétie, mon ami. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez ouvert l'entrée des ruines, effondrées, Kyria? Des lumières vives sont apparues et ont ouvert la porte. Ouais, bon. Des lumières, je n'ai rien vu. Personne n'a rien vu. On dirait que Kyria vient d'ouvrir la porte. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais quelque chose d'étrange ici. Les lettres à demi effacées sur le rocher. Ouais. Je n'ai pas pu les déchiffrer complètement, mais ça parlait d'attendre l'élu. Ah, voilà, je suis l'élu, bordel. Morpheus, l'élu. En fait, nous sommes dans Matrix. J'ignore à quoi ça fait référence, mais je suis content de vous soyez là. Maintenant, faut qu'on suit le lapin blanc. Ok, il ferait mieux d'avancer, non? Ouais, allez, on avance. Doudoum. Hé, hey, capitaine, je crois pas qu'on puisse en tirer quelque chose. Comment? Maudit prêtre! J'ai fait tout ce chemin pour rien! Pensez vraiment qu'il y a une ancienne cité ici? Pas de cité, pas de trésor. Chaque fois, on se retrouve dans l'impasse. Est-ce qu'on va obtenir notre paix? Ou bien est-ce que c'est une illusion, comme le reste? Hé, hey, oh, du calme! Vous recevrez une belle récompense. Oh! Voyons voir. Oui, il court. Forme un passage.
Les ruines cachées. Elles sont là. Incroyable. Vous avez fait ça. On va être riche. C'est joli, hein. C'est juste dommage que c'est pas fluide. Mais ça, c'est mon PC. C'est par là. En avant. Et un petit peu d'un petit crénelage, quelque chose là. Il y a pas mal. Ça scintille pas mal. Et regardez quelque chose. Je crois bien que le trésor se trouve par là. Hey, oh, un petit crénelage, je suis au max. Mais ouais, je suis au max. On va faire plus joli. Je pense que c'est une histoire de résolution maintenant. Je suis quelqu'un qui joue en 4K, ça sera beaucoup mieux. Par contre, on peut pas aller plus vite que ça. Pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? Nul! Les explosifs! Attends, c'est bon, je vais l'ouvrir la porte. Ah, il doit exister un appareil secret permettant d'ouvrir le temple quelque part. Trouvons-le ensemble. Ok. Faut que je fasse quoi là? La clé réunie pour ne faire qu'un. Voilà. On dirait bien que le nouveau a trouvé un passage. L'autre, la Guerka, j'ai l'impression que je vais le défoncer. Guerka. J'ai un mauvais pressentiment. Oh! Regardez! Oh! Un trésor! Attendez! Ne touchez pas au trésor! C'est moi qui commande ici! Poussez-vous! Arrêtez, bande d'idiots cupides! Regardez à l'extérieur! Et ouais, ils arrivent, c'est l'attaque. Oula! Bon sang! Attends, sérieux? Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici? Oh putain! Mon PC! Putain de merde. Ça fait mal ça. On va tous y passer. Au diable le contrat. Prenons tout ce qu'on peut. Non, ce n'est pas ce qui était convenu. C'est celui qui tient l'épée qui décide, gamin. Ça fait trop le malin, je vous ai dit. Prenez la pierre, elle semble précieuse. Non. Voilà. N'y touchez pas. Ah non. Reculez. Non. Non, stop. C'est un piège. Non, aidez-moi. Je peux sauver? Mais je sauve. On va voir ce qui se passe. Merci. Vous avez pas intérêt à me laisser mourir. Reculez. Vous
Vous avez pas intérêt à me laisser mourir. Tu me menaces quand je suis en train de dire. Sa cupidité aurait pu vous tuer tous les deux. Reculez, je m'en occupe. Il nous a créé un portail. Oh, où mène cette route ? Eh bien, il n'y a plus que nous deux maintenant. Je sais que ça a l'air étrange, mais j'ai cette impression que tenace que nous sommes observés. Des pièges dangereux, des attaques de démons et même l'avidité humaine. Je ne sais pas du tout dans quoi nous nous sommes enfourés. J'ai hâte d'en savoir plus. J'espère que nous pourrons aller jusqu'au bout ensemble, Kyria. Allez, on saute! Oh putain! Il marche comme un beau gosse, oh. Alors, quelle voie devrions-nous emprunter ? Suivre la lumière. Oula, petit trou qui se forme quand même. Oh putain ! Ah ! Vous allez bien ? Ouais, ça va. Oh, vous êtes toujours en vie. Essayons de trouver un moyen de remonter, d'accord ? Il fait trop sombre ici. Je vois rien. Vous voyez quelque chose ? Lui, on dirait, il voit pas la lumière. Par ici ! Je l'ai trouvé ! Prenez ceci et montez. Sorte de parchemin. Voilà, je l'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qui se... Oula. Ah, terrible. Fois 8, quoi, la 8 vies. Bah, il m'attaque pas beaucoup là. Ouh. Bah écoutez, il bouge pas, je pense que c'est fait un peu exprès. Et après t'attaques à la fin pour dire... Ouh, il a plus de vie, ça y est. Il va mourir. Ouais, c'est un parchemin. Quand la lumière du destin atteint la fin du monde. Le veilleur ailé montre la voie vers la lumière de la création. Quand
le chaos des abysses. Ouvre les yeux à nouveau. Tu suivras la fierté des lions au point de départ. Le destin t'appelle. Ô élu. Eh ben. Alors. Ça va? J'arrive pas à croire que vous ayez vécu. Vaincu cet énorme monstre. Je ne savais que vous avez du talent, Kyria. Jamais je n'aurais vu un tel monstre auparavant. C'est la première fois qu'il voit des monstres aussi crapuleux. Si ancien et puissant, c'était peut-être un gardien protégeant le trésor du prophète. Mais quel était donc ce trésor? Une histoire au sujet de l'arche? La prophétie concernait la fierté d'un lion. Je vois, ça me fait penser à la ville de Fierbourg. Aux abords de Ritrama, putain, Retramis. Oh, mais c'est trop dur. Sous la protection de l'ordre de Sacria, il existe une petite ville de ce nom. C'est peut-être là le chemin que vous devez emprunter, Kyria. J'ai beaucoup appris grâce à vous. C'était à vous que le trésor du prophète attendait depuis tout le temps. Tout ce temps. Et c'est vous qui apporterez la prophétie de la renaissance de la lumière. Nous sommes importants. C'est ici que nos chemins se séparent. Oh là là. Mais nous nous reverrons. J'en suis absolument convaincu. Bizarre comment on marche, je trouve. Un destin commun nous attend, vous et moi. Ça marche, elle est très arrogant. Et lui, il a pas l'air d'être si gentil, on dirait. La fierté des lions. Ouais, c'était sûr. C'est ça qu'il ouvrait pas ses yeux. Va pour Fierbourg, alors. D'accord. C'est pour ça qu'il avait une drôle de dégaine. Il avait une raison. Inutile de faire attendre le destin. Ouais, j'ai senti. J'ai senti sur la fin. Moi je vous dis, j'ai un peu de mal à prendre du plaisir à y jouer, c'est à cause du PC, c'est tout. Ça fait quoi quand t'appuies? Même pas quand tu parles. Qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez obtenir un total d'une récompense événement de connexion. D'accord. Obtenu. Récompense de connexion. Acceptez tout. Ok. Chaque jour, on a une récompense. D'accord. Alors, I. Ah, j'avais dit un coffre. Ouvrir. Oh, bordel. Des plumes de phénix. À quoi ça sert? Pardon. Les plumes magiques ramènent les morts à la vie. Des bombes acides.
Waouh. Des grenades, il y a tout. On va le garder là. Hop. Ok, ça c'était pas mis. Un parchemin de portail. Potion de temps suspendu. Oh mais ça va être vraiment un truc de malade. Lié. Monnaie utilisable pour les commerces ou les enchères. Pourquoi je peux faire des clics droits? Combien souhaitez-vous? Séparé. Annulé, aucun. Placé dans l'inventaire. J'ai pas de faire une connerie. On va ajouter des potions. Plein de conneries en vrai. Ok. Il paraît qu'un prêtre célèbre arrive aujourd'hui. Moi, j'ai aussi entendu parler de lui. Sacrée réputation. On raconte qu'il peut tout soigner. Il paraît qu'il voyage pour soigner les gens. Il était là pour trouver quelque chose. Ils sont bien au courant de beaucoup de choses, quand même. Mmh. Je me demande comment il est. Il est passé tout à l'heure. Ça, où est-il? C'est vraiment lui? Il a l'air trop jeune. Il peut vraiment guérir? Il est plutôt maigre. Papa, c'est qui? Il est plutôt un prêtre maigre. Très célèbre. Bienvenue. Bienvenue à Fierbourg, mon père. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Mon père, Varout et le reste du village vous attendent avec impatience à la cathédrale. Ah, alors je ferais mieux de ne pas le faire attendre plus que ça. Moi, je parano, c'est peut-être Morpheus. Il se passe quoi? Attends, je vais t'aider. Vous faites quoi, les gars, là? Juste pour qu'après on dise, mais qui es-tu? Non. Je fais n'importe quoi, je m'en fous. Oui, bah c'est bon, je vais lui parler. Je vous remercie de m'avoir secouru. Vous rendez-vous à Fierbourg? Suivez cette route et vous arriverez à Fierbourg. Pourquoi ne pas faire route jusqu'au village avec moi? Dans ce carrosse. Des cristaux. Transmise, titre obtenu. Ok. Allez, on y va. Regardez un peu la ville. Après, alors, j'ai pas le temps d'arrêter. Que venez-vous c'est juste, faire à Fierbourg? Je voulais voir un petit peu comment ça bouge. Oh, vous cherchez l'arche? Vous savez, pour la plupart des gens, l'arche n'est qu'un mythe. Pour tout vous dire, je la cherche aussi. Il paraît que ce village abrite une tablette gravée contenant des infos sur l'arche. Oh, quelle coïncidence. On pourrait peut-être voyager ensemble, et... Et voilà. Oh, le cheval, il bombarde. Wow. Ah, ça rigole pas, hein. Très bon équilibre, hein, quand même. J'arrive! Non! Oh merde! Là, je le fais tomber. Ah.
Merci. Oh non, ils m'ont suivi jusqu'ici. Oh, alors, c'est mal quand même. Attention, il y en a d'autres. Voilà. Ok. Bonté divine, vous n'êtes pas blessé? Quel soulagement, je n'avais jamais vu un individu aussi douloureux. Douteux, douloureux. Ça alors, le temps passe à une telle vitesse. Tout le monde doit m'attendre. Allez, vas-y, on y va. La relique de l'arche se trouve dans l'église. Retrouvez-moi là-bas, quand vous pourrez. Ok. Douloureux. Ok. Et je vais tomber sur des ennemis, je pense. Oh, on voit la ville. Ah oui, d'accord, c'est vraiment des petites maisonnettes avec une grosse église. Ils m'ont directement mis au village. Il paraît qu'ils soignent les gens. C'est vrai, tu penses ? Les autres prêtres n'essaient même plus. Sentez cette chaude lumière. Et soyez guéris. Oh, ainsi, ça pourrait être aussi simple. Plus mal. Merci, merci infiniment. C'est incroyable. Il a tant d'énergie. Par les dieux, les blessures d'Anna ont guéri. Oh, c'est bon. Vous revoilà. Ouh. Tout le monde te regarde. Varout, cet aventurier m'a sauvé la vie. C'était donc vous. Je lis la bonté dans vos yeux. Ah, quand même, de loin. Cet aventurier recherche aussi l'arche. Oh, vraiment. Nous avons beaucoup à nous dire, alors. Poussez-vous. T'imagines? Est-ce la tablette? Oui. Elle contient tout notre savoir de l'arche transmis depuis des générations. Il manque un morceau. Enfin, en théorie. Vous voyez, il en manque une partie. Une grosse partie. Qu'a-t-il pu lui arriver ? Lorsque nous l'avons reçue, elle était déjà brisée. Cela a dû se passer pendant son transport. Nos recherches n'ont rien donné. Ok. Bon bah les amis, je vous laisse sur ça. Hein. J'ai envie d'arrêter là. J'ai bien content, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Même si j'ai fait que le prologue, j'ai rien fait là. Là on n'a rien vu du jeu. Hein. Mais ça reste une bêta, j'ai pas trop envie d'en voir. C'est jamais si je le prends à sa sortie. Je voulais vraiment juste voir un petit peu comment ça bouge. Ça bouge bien, c'est juste, ça me perturbe un peu, c'est qu'on a tous les pouvoirs, direct. Enfin, tous les pouvoirs. Pas tous les pouvoirs, il y a plein de pouvoirs, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Un petit peu plus que ça, quoi. Mais, c'est vrai qu'on nous donne pas mal de pouvoirs de base. Je pensais qu'on n'allait pas avoir beaucoup au début. Et mon PC, il va pas bien. Ça va pas bien. Mais je voulais quand même voir un petit peu, je suis content. Comme ça, je pourrais laisser la place à quelqu'un qui pourrait y jouer, parce que vu qu'il n'y a une queue pas possible. Bon les amis, j'espère quand même que vous aurez apprécié ce petit live, on va dire, découverte sur Lost Ark. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, vous follow sur Twitch, hein, et puis voilà, ça sera déjà plutôt pas mal. Si vous voulez laisser un commentaire, il faut le faire, ça fait plaisir. Bon, je vous dis à plus tard, c'est vrai que c'est un petit peu court comme stream, mais j'ai pas envie de jouer plus, tout simplement. Il faut s'arrêter, même si c'est bien. Allez, je vous dis peut-être à ce soir, peut-être à plus tard, je ne sais pas. On verra. Bon appétit à tous, bonne soirée.